Voici comment créer un compte gratuit dans Miro du point de vue des élèves. Avec un courriel d'institution scolaire, les élèves peuvent créer un compte gratuit en remplissant un formulaire d'inscription ou en utilisant l'authentification unique. En laissant les élèves créer leur propre compte, vous n'aurez pas à gérer des équipes dans Miro. Ce sont eux qui seront responsables de vous partager leur organisateur graphique à la fin de l'activité. Le compte gratuit sur Miro permet à chaque élève de créer 3 tableaux. Ça peut paraître insuffisant à première vue, mais un même tableau peut être utilisé tout au long de l'année puisqu'il peut être agrandi facilement pour intégrer plusieurs organisateurs graphiques. Si vous souhaitez que les élèves travaillent en équipe, vous pourrez désigner un responsable d'équipe qui invitera ses collègues dans son tableau en les ajoutant à l'aide de leur courriel. Finalement, vous pouvez suivre la même procédure que vos élèves pour vous créer un compte gratuit. En respectant certaines conditions, vous pouvez même accéder au compte éducation de Miro à titre d'enseignant ou d'enseignante, ce qui vous offrira un nombre illimité de tableaux. Ouvrez votre compte Miro dès maintenant pour vous lancer dans la création d'un tableau et d'un organisateur graphique.